L'actualité à la une ce matin, pas de candidature indépendante aux municipales et législatives à venir au Burkina. Les candidatures des indépendants ont été rejetées hier pour non-conformité au code électoral. Explications et réactions dans cette édition. Pendant ce temps, le Faso autrement réclame la poursuite de l'enrôlement biométrique et s'élève contre la composition de ses dossiers de candidature. Ablasse Ouédraogo a rencontré les journalistes hier à Ouagadougou. Vous l'entendrez dans cette édition. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Il n'y aura pas de candidat indépendant aux législatives et municipales le décembre prochain. La CENI a tout simplement rejeté les candidatures hier à Ouagadougou. La commission électorale a invoqué le code électoral face au groupe des indépendants de Kadiogo. Adama Koulibaly. Le cadre légal ne vous permet pas de recevoir des candidatures indépendantes, ni des candidats hors liste reconnue qui vous a été soumise, la liste qui nous est même remise. Voilà. Ok, merci. C'est par ces propos que les candidats indépendants du Kadiogo, un groupe de candidats indépendants à la candidature pour les élections législatives du 2 décembre 2012, a pris acte de la non-réception des dossiers de ses différents membres. Pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, la loi est claire en la matière. La loi dit que pour pouvoir compétir, seuls les partis politiques légalement reconnus peuvent aller, dans un délai bien précis, peuvent aller aux élections. Donc, par la même occasion, nous autorise à recevoir les candidatures de ces partis-là. Nous ne disons pas que nous rejetons les candidatures, parce que la loi aussi dit que nous ne devons pas rejeter les candidatures. Mais la loi nous impose de ne recevoir que les candidatures des partis légalement reconnus. Les 18 candidats des indépendants du Kadiogo sont soutenus dans cette démarche par une coalition d'organisations de la société civile. C'est une coalition qui s'est constituée, la coalition des OSC et des citoyens pour les candidatures indépendantes, parce que nous voulons lancer un plaidoyer pour les candidatures indépendantes. Parce que nous constatons que depuis, le débat sur les candidatures indépendantes est monopolisé par la classe politique. Aujourd'hui, il est important que le juge constitutionnel nous situe sur la possibilité ou non des candidatures indépendantes. Et notre initiative va dans ce sens. Donc, laissons le soin au juge constitutionnel burkinabé de trancher cette question. Mais nous allons faire en sorte que tous les citoyens soient informés et se mobilisent pour que les droits que la Constitution leur donne, on ne vienne pas le leur retirer. Cette action vise, selon ses initiateurs, à faire changer la donne, comme au Mali ou au Niger, afin de permettre des candidatures indépendantes lors des scrutins à venir. Ce régime est intervenu juste avant la clôture de la réception des candidatures. Depuis 0h, la CENI a clos le dépôt des dossiers pour ces élections du 2 décembre. Vous allez le voir, les partis ont attendu la dernière minute pour se faire enregistrer. Viviane Tendrebeoko. 30 secondes. À l'instant où les portes du siège de la CENI se sont refermées ce 23 septembre 2012 à minuit, une cinquantaine de partis politiques avaient déposé leurs dossiers et une vingtaine d'autres attendaient toujours d'être enregistrés. Les raisons de cet engouement de dernière minute varient d'un parti à un autre. On n'a pas su jusqu'à la fin si ça allait avoir lieu ou pas. Mais quand on a eu la confirmation comme quoi tout était maintenu comme prévu, on a tout fait pour rassembler les dossiers nécessaires. Vous savez que nous, du point de vue du moment, c'est la période de l'hivernage et surtout vers la dernière phase de l'hivernage où il pleut beaucoup. Nous avons plusieurs parties du territoire national qui sont impossibles du point de vue accès. Nous avons eu 624 candidatures. Alors qu'il faut seulement retenir 254. Alors, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un véritable travail qui est fait pour que, au finish, nous puissions convenir dans ensemble des candidats à retenir et pouvoir constituer les dossiers
les mettre vraiment dans des conditions telles que la CENI n'est pas à redire. Il va falloir peut-être qu'on procède, si c'est possible, hein, que les partis politiques puissent s'entendre pour une réforme législative dans ce sens-là, qu'on puisse arrêter à une heure raisonnable pour nous permettre, nous aussi, de travailler dans la sérénité et de pouvoir nous retourner, aller nous reposer comme tout le monde. Certains de ceux qui attendaient classaient toujours leur dossier. Ils n'ont pas donné un standing pour le classement des dossiers. Donc moi, je les ai dit ça. Donc pour la prochaine fois, il faut dire quel est l'ordre qu'il faut suivre pour classer les dossiers. Et maintenant, ils ont l'ordre ici et on a essayé de ressortir pour reclasser selon l'ordre qu'eux, ils veulent. Parce que nous, on a classé déjà l'ordre que nous voulons et maintenant, ils nous disent de revenir faire sur l'ordre qu'eux, ils veulent. Après la réception, la prochaine étape sera la validation des dossiers. C'est un comité ad hoc qui va s'occuper de cet aspect de la question. En plus de la CENI, seront membres de cette commission ad hoc de validation les partis politiques qui compétissent, qui sont concernés. Et c'est eux qui vont examiner ces dossiers et prendre des décisions. C'est eux qui pourront décider de la validation ou de l'invalidation de tout dossier. En tout, ce sont 74 partis qui présenteront des candidats aux législatives du 2 décembre prochain. Et pendant ce temps, il y a un parti qui se fait entendre. Le Faso Autrement est contre la composition des dossiers de candidature aux élections couplées de décembre prochain. Ablassé Ouédraogo l'a dit hier aux hommes des médias. Il réclame aussi la poursuite de l'enrôlement biométrique. Adama Koulibaly. Le président du parti Le Faso Autrement, face aux journalistes, a voulu faire une lecture de la concertation entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et la classe politique sur les pièces du dossier de candidature. Les clauses de cette rencontre du 13 septembre ont porté sur 4 articles consensuels, dont le deuxième stipulant que tout dossier contenant l'une ou l'autre des pièces suivantes, à savoir l'acte de naissance ou la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé, doit être accepté, alors qu'auparavant les deux pièces étaient exigées. Ce que dénonce Le Faso Autrement. Nous demandons que le gouvernement saisisse l'Assemblée nationale pour une relecture immédiate du code électoral et notamment les articles portant sur la composition des dossiers de candidature, de façon à ce que l'exercice de validation puisse se tenir. Il a aussi évoqué la difficulté d'établissement des casiers judiciaires par certains candidats. Le président de Faso Autrement pense également qu'il faut une reprise de l'enrôlement biométrique pour permettre à plus de personnes de s'inscrire sur les listes électorales. Autre point de l'actualité ce matin, on va à la découverte de l'hôpital Blaise Compaoré. Cet hôpital fonctionne, vous le savez, depuis son ouverture en octobre 2010, mais plusieurs le présentent comme un centre des nantis. Présentation, Jean-Baptiste Ouédraogo. Le 25 octobre 2010, les portes du centre hospitalier moderne de Tangandogo s'ouvraient à Ouagadougou sous un nouveau nom de baptême, Hôpital National Blaise Compaoré. C'était le couronnement d'un vœu du président du Faso, celui d'offrir aux populations des services de soins de qualité. La finalité même de la création de cet hôpital-là, c'était avant tout de permettre aux Burkinabés de se soigner sur place, c'est-à-dire réduire un tant soit peu les évacuations sanitaires à l'étranger. La nouvelle structure sanitaire ambitionne devenir un centre d'excellence dans le domaine des soins de santé dans la sous-région ouest africaine. Fruit de la parfaite coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine Taïwan, cette structure sanitaire venait ainsi renforcer le dispositif sanitaire déjà existant. À cette structure, du genre placée au troisième niveau de la pyramide sanitaire, des objectifs précis lui sont assignés. Avec la création de cet hôpital, il n'y a pas de concurrence, mais plutôt une complémentarité avec les autres structures sanitaires. Ces 600 lits et ces équipements modernes sont à mettre au service de la quête permanente de la santé des populations burkinabées, sans exception. Nous ne venons pas pour remplacer une structure, nous venons en complément de toutes les structures qui existent. Et d'ailleurs, nous sommes condamnés à travailler en symbiose avec toutes ces structures-là. Nous sommes situés au troisième niveau de la pyramide sanitaire, ce qui veut dire que les patients qui viennent à nous sont des patients qui sont référés, normalement.
Donc, ils doivent prendre rendez-vous sur la base d'une consultation qu'ils ont déjà eue ailleurs. Ils sont seulement référés ici pour une meilleure prise en charge. Si on prend, par exemple, les hospitalisations, qui prend en compte la nourriture, les frais d'hôtellerie, la première catégorie, qui comprend une chambre individuelle, est de 10 000 francs. La deuxième catégorie, qui comprend deux lits, est à 7 000 francs. Et la première catégorie, à 5 000 francs. Et si on prend les frais de consultation pour un spécialiste, le tarif est de 5 000 francs. Et pour un généraliste, vous payez 3 000 francs. Lentement mais sûrement, tous les services se mettent en place à la grande satisfaction des praticiens. C'est des appareils numériques qui sont tout neufs et qui permettent de conserver les échantillons et les résultats des examens qui sont réalisés. Ça se fait tous les jours et les patients ils repartent avec les résultats. Donc quand ils font ces examens, on interprète, on leur donne pour qu'ils repartent. Donc ça, c'est un des aspects importants. Il y a d'autres aspects, comme le défibrillateur. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas dans notre pays. Globalement, l'ensemble des pathologies que nous traitons ici, nous avons en premier lieu les épilepsies. Nous avons en deuxième position tout ce qui est pathologie douloureuse, que ce soit donc les maux de tête, hein, que ce soit les douleurs du dos qui descendent dans les jambes ou qui descendent dans les membres supérieurs. Nous avons aussi ce que nous appellerons les maladies du mouvement. Les maladies du mouvement, c'est tout ce qui concerne les paralysies, les tremblements, les problèmes de tonus en excès ou en moins, ce qui concerne les troubles de la marche, les troubles de la coordination des mouvements, tels que bon, la maladresse. Ça, c'était pour ce qui concerne la pathologie du mouvement. Nous avons un gros morceau qui est représenté par les accidents vasculaires cérébraux. Et ici, nous avons la particularité d'avoir une salle d'accouchement vraiment bien faite. Donc, on a trois salles d'accouchement, donc bien équipées et propres, avec toutes les commodités nécessaires. Et à proximité, nous avons deux salles opératoires bien équipées également avec des appareils de pointe et qui nous permettent d'agir avec promptitude lorsque le besoin se présente. J'ai eu gain de cause parce que le médecin il a mis tout le temps qu'il fallait pour comprendre mon malaise et ensuite maintenant il m'a fait la prescription. Et c'est pour cela que je suis venu en pharmacie pour prendre les produits qu'il m'a recommandés. Le plateau technique haut de gamme dans tous les services offre plusieurs possibilités aux praticiens. Ces derniers ont d'ailleurs été formés à l'utilisation des équipements par des spécialistes de la partie chinoise. La particularité est ici, c'est que tout le système des données est informatisé. Et à partir de mon bureau, donc, j'ai accès à toutes les données donc, concernant le patient, que ce soit du point de vue dossier médical, les examens de laboratoire ou bien, les images de radiographie. Donc je n'ai pas besoin de cliquer ou bien de me déplacer pour savoir voilà, quelle est la glycémie de tel patient. Il suffit de cliquer et tout de suite j'ai le résultat. Donc tout ça dans le but d'avoir donc du temps. L'hôpital offre des soins infirmiers et obstétricaux et une prise en charge totale du patient. Là, plus besoin d'accompagnants. Dans nos hôpitaux, de façon courante, les infirmiers, les sages-femmes n'exécutent pas entièrement les tâches qui leur reviennent. Et c'est ce que nous avons corrigé ici. Et cela confère à notre hôpital une particularité qui est que l'accompagnant est un collaborateur du personnel soignant. Il n'intervient pas pour la prise en charge du patient. Quant au patient, il trouve en ces lieux une satisfaction et souhaite que cela perdure. C'est d'ailleurs pour eux que l'hôpital a vu le jour. Je crois que la première des choses pour que l'on observe ici, c'est d'abord la grandeur de la structure. Ensuite,
c'est la qualité même de l'accueil du personnel. Ça, c'est sensible. L'hôpital national Blaise Compaoré connaîtra très vite sa vitesse de croisière. Les mois à venir seront déterminants avec la mise en route d'autres services. Ainsi, tout patient pourra y trouver son compte. Notre perspective immédiate, c'est l'ouverture du service des urgences. Et après l'ouverture du service des urgences, nous allons ouvrir les hospitalisations parce que les deux vont de pair. Mais il y a quand même d'autres services assez importants que nous devons ouvrir. Et nous sommes en pleine préparation parce qu'il y a quand même quelques précautions à prendre. Il s'agit des services de chirurgie, notamment la chirurgie viscérale et la chirurgie traumatologique. L'infrastructure et les équipements auront coûté plus de 30 milliards de francs CFA. À l'étranger, ce journal est terminé. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À demain.